Ça devrait aller. Allez, voilà. Enfin, j'ai eu peur avec le précédent jeu quand même. Hein. J'ai l'impression que le son est un peu fort là par contre. Voilà. L'opening est bien. La musique est cool. Ça donne envie de danser là. Ah, le ping est cool. New Appointment Gives Olympus. Ah, ça a l'air pas mal quand même, hein. Rien que l'opening. Ça envoie du pâté lourd. C'est les nouveaux chevaliers du Zodiaque. C'est les nouveaux chevaliers du Zodiaque. Putain. Ah, désolé pour toi. Ce jeu, il a l'air cool, je sais pas. J'ai un bon pressentiment sur ce jeu. Tu vois? Je sais pas, je le sens bien. Et franchement, je jure que l'IV avec les lunettes, qui bah, forcément protège bien mes yeux, ça change. Ça me donne envie de... Ça me donne envie de chanter la musique, quoi. Loving You, la musique. Putain, ça a l'air vachement, vachement sympa. Putain, ils ont une belle gueule, hein. Putain, y a Cerber, y a Cerber. Vraiment, le temple grec Ecto, ils les ont vraiment bien rendus, hein. Putain! Même la musique, comme ça. Bon, ça a été créé par des humains en 1996. Au moins, vous êtes sûr que ce sont des humains, hein, qui ont fait le jeu. Donc, allez, on va voir ce que ça donne. Alors, question menu, qu'est-ce que ça donne? Il y a moult choix. Par contre, est-ce que vous n'avez pas le son trop fort de votre côté? Parce que le son est assez fort pour moi. Donc, on a trois modes de jeu, apparemment. Bon, on va sélectionner le principal. Ouais, ça fait très mythologique. J'ai l'impression que ça apporte vraiment une bonne patte, ça, quand même. Le son est bon pour moi. C'est bien, c'est parfait. Alors, fais voir. J'ai envie de voir, découvrir un peu ce que recèle ce jeu. Ça va pour le son, ok, il n'y a pas de souci. Alors, j'espère que c'est pas un visual novel, hein, s'il vous plaît. Oni-chan? Non, non, c'est un visuel comme ça. J'ai pas envie que ce soit un visuel novel, moi. Attends. Je vais peut-être passer un peu. Ah, avec Start, on s'est passé. D'accord. J'espère pas avoir passé un truc important, quoi. J'espère pas. Oula! What is this? Quel est ce système?
Ok, donc j'appuie sur rond. Ok, donc je dois sélectionner une carte. Bon, est-ce que je les joue stratégique, que je mets pas ma plus forte d'abord, ou comment ça se passe? C'est le niveau 5. Qu'est-ce que c'est que ce système? J'ai peur de rien comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Ah ouais, j'ai choisi mon destin, j'ai l'impression. J'ai l'impression que j'ai choisi mon destin, en fait. Joue à destin et changer de vie. J'ai l'impression que c'est ça. Ah, j'ai choisi mon destin. Du coup, j'ai choisi la destinée de Link avec une fée chiante. Alors, oui. Ouh, la boule magique. Qu'est-ce que ça fait? Oui, allô. Ouh, attends, c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Est-ce que c'est un jeu de combat? Je comprends rien. Qu'est-ce que c'est que ça? Attends. Je sélectionne ça, oui. Prends ça! Allez. Mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Je vous jure que je comprends rien du tout. Allez, on n'a pas le choix. Elle a eu un bon coup de bâton. Oula, power up. Je jure que je pige rien du tout. D'accord, avec les gâchettes, tu sélectionnes ton attaque comme ça. Ah oui, du coup, j'ai des bonus d'affiliation élémentaire. Ok. D'accord. Ok. C'est vrai qu'elle ne me fait aucun dégât pour le moment, hein. On se rend compte de ça. Non mais du coup les combats ils deviennent chiants. Oula! Qu'est-ce qu'elle fait? Oui? Allô? Hein? Qu'est-ce qu'il y a eu? Non, dis pas que j'ai fait une commande de fuir là, s'il te plaît. Non. J'ai pas fait le con. Putain, cette voix, elle est magique. Du coup, choisis donc ton destin avec Hadès. Du coup, ouais, j'ai un level 4, un level 7 ici. Donc on va choisir ça. Oui. Ouais. Putain, mais je comprends rien ce jeu. En fait, t'as tellement de trucs qui s'enchaînent. J'ai pas le temps de comprendre. Alors, c'est moi qui suis peut-être bête. Je pige rien. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais. Qu'est-ce qui... Bon, je pense qu'avec ce genre de jeu, vous savez qu'est-ce qui est le meilleur à faire, c'est de déconnecter votre cerveau, en fait. Juste déconnecter votre cerveau. Bon.
Peut-être qu'à chaque début d'affrontement, tu auras un peu l'histoire du personnage et tout, mais bon. Je veux dire, après elle se bat, ils font n'importe quoi à l'écran, tout ça. Ouais, elles sont bien faites. Du coup, là, on va être de retour face au. À l'orque ou au troll, je ne sais pas. À l'orque, ouais. Mais pourquoi j'ai des downs? Pourquoi j'ai des statistiques qui baissent? Ouais, soit deux. Je n'arrive plus à comprendre, je pense. Bon, là, ça va être le battle mode. Je vais essayer de ne plus fuir quand même. Okay. Oh! Ah, ça, par contre, du chara-design comme ça, moi j'aime bien, perso. Surtout celle de Jorn, honnêtement, c'est un chara-design que j'aime beaucoup. Chara-design est vraiment beau. Et décor aussi. Vraiment, c'est très beau. Honnêtement, j'aime bien. Oula. Oula. Oulia. C'est pas mal quand même. Hein. C'est pas trop mal. Ouais, mais du coup, attends. Pourquoi tu attaques trois fois là cette fois-ci? Ah, attention, j'ai la mort. Ouais, mais pourquoi tu répètes? Mais ferme ta gueule, j'ai pas envie que tu répètes l'attaque, s'il te plaît. Mais pourquoi elle répète maintenant là cette attaque? Voilà. Répète pas ton attaque. Putain, je me fais défoncer ma race. Et pourquoi elle n'a pas de dégâts? Ça, je comprends pas non plus. Ah bon, là, ta gueule! J'ai envie de comprendre, moi. Ah, je dors. Je dors. Tout va bien. Je vais me faire sodomiser. Elle commence à m'énerver à chanter. Ah! Allez, mais quoi? Pourquoi je lui fais pas de dégâts? Je comprends rien. Et maintenant je fouille. Si quelqu'un comprend la foutue chose qui s'est passée au travers de ce jeu, je veux bien qu'on me le dise, hein. Parce que là, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, le système, je le comprends pas. Ouais, d'un coup, j'ai d'autres persos. Bon, ouais, c'est celle-ci. Ouais, donc j'ai une carte sauvage, apparemment, de ce qu'il m'a dit. Enfin, je pige rien du tout. Alors, allez, histoire du personnage. Ouais, ça, c'est Japon. Ouais, c'est le bon vieux Japon, ça. Oriental. Ouais, tais-toi. Ah, c'est Z-Game de la soirée. Mais par contre, c'est un péché pour Angel Gravity. J'aurais bien aimé vous le montrer. Up. Ah bah là, j'ai du up. Là, normalement, j'ai de l'avantage. Normalement. Normalement. On va voir. On va voir, on va voir, on va voir. Alors, ça donne quoi? Wow.
Ouais. Alors. Ah, j'ai de la chance, elle dort. Un vachat d'avril, ouais. Ah, mais j'ai pas vu pour les statistiques. Ouais, on va faire ça. Mais quoi? Mais ta gueule! Mais pourquoi je l'envoie... Pourquoi je lui enlève rien? Mais attaque! Ah bah voilà! Putain! Oh là là, ce jeu, ce jeu! Oh. De l'histoire dans ce jeu! Oh mon dieu! Putain, c'est marrant d'entendre ça hein, tout le temps, hein. Apparemment, je suis avantagé, là. Je suis en train de lui mettre une dérouillée, là, mon gars. Ouais, j'ai rien dit. Mea, mea. Tiens! Prends mon bâton. Oula! Super Saiyan mode, là. Oula! Ah bah j'ai gagné! Mais j'ai l'impression que au fur et à mesure des choses que je fais, ça améliore l'attaque et tout, et ça me charge mes attaques. Et qu'au bout d'un moment, bah je peux lancer des choses. Ah ouais! La défense, ce serait bien, merci. C'est... C'est bizarre comme jeu. Hein. Il est bien. Hein. Il est bien ce jeu, je dis pas. Il est intéressant, mais bon. Il est bizarre, il est bizarre, il est bizarre. Alors, on a qui ? Je veux dire toi. Alors. Qu'est-ce que tu me proposes ici? On va essayer de remporter le combat, hein, quand même. Ce serait un peu de l'abus sinon. Bon allez, elle dort, ouais. C'est quand même bizarre de présenter un peu l'histoire des personnages comme ça et puis pouf, voilà. Surtout que bon, pour mettre en valeur un personnage, bah j'aurais mieux aimé... Ah. Un meilleur truc que plutôt qu'elle dorme dans sa voiture, quoi. Ok, elle va dans les retours du combat maintenant. Putain, je comprends rien. Je comprends rien du tout. Bah, c'est ça. Après, bon, je verrai quand je battrai l'orque, hein, mais bon. Bah, c'est le mode principal, ça. Ouais. Je peux faire quelque chose au moins. Speed up. Ah, je sais pas si c'est un aimé. Bon, je serais intéressé de voir, hein, mais bon. Oula. Bah, t'es bien... Là, t'es bien réveillé. Ah, mais c'est la chanteuse de merde de tout à l'heure, là. Ah, mais lol. J'ai l'impression que c'est elle. Mais... Ah! Mais oui, c'est elle. Ah, c'est elle, d'accord. Oh, putain. Qu'est-ce qu'elle fait? Ok. Oui. Oh, oula! C'était quoi cette mort? Oh putain! Ah, cette mort, elle est magnifique! Oh
Oh mais what? Elle était trop bien cette mort. Ah c'était magistral. Allez bon. Last round. Je suis dans la merde la plus totale. Du coup, bon, c'est qui va sacrifier là? Oh mais sa mort, elle était magique. Oui. Une carte sauvage, une wild carte. Je m'ennuie sur ce jeu. What the fuck? Ouais, regardez, on a fusionné les trois créatures. Regardez ma chimère sur un ballon. On n'avait pas assez d'argent pour des tigres et des lions, on a pris une chimère. Bravo! Regardez ma chimère, elle souffre. Putain. C'est what the fuck ce jeu? C'est quand même what the fuck. Après bon, il me fait pas totalement chier ce jeu, mais bon. C'est vrai que c'est pas le meilleur jeu du monde, quoi. Alors j'ai tout en mode up. Ouais, mais bon, je vais mourir du premier coup, quoi. Je vais mourir du premier coup. Cette musique. Bon, Saori. Saori. Défense offense. Donc, attaque up pour tout le monde. Alors, qu'est-ce que je peux faire? On va essayer ça. Prends ça. Coup de fouet. Oula! Oh, le coup de pied. Il est lent, il est incompréhensible ce jeu. C'est vraiment, vraiment, vraiment ça son souci quoi. Du coup, je suis mort. Oh, mais ta gueule! Putain, ferme ta gueule, quoi. Juste shut the fucking up, quoi. Mec. Tu forces tellement ton doublage que comme si tu forçais ton cul pour une diarrhée, quoi. Ouais, game over, tant pis, c'est pas grave. Ouais, les blocs magiques, humains, voilà, développés par des humains, codés avec le cul. L'Odyssée d'Homère. Ah ouais. Oui, parce que disons que le gars disait Camille tout ça, donc. Fermé là. Oui, parce que. Allez, le cyclope là, contre qui j'affrontais là, il me disait Camille tout ça. Donc c'est sûrement contre un dieu. Et que, bah, comme j'ai perdu, je pense qu'il m'a dit tu peux pas lutter contre un dieu ou des trucs comme ça. Et que, bah, il m'a réprimandé comme ça, en fait, pour ma défaite. Donc c'est un jeu sur l'Odyssée d'Homère, sûrement. C'est le premier ennemi d'Ulysse, oui, c'est ça. Ah bah c'est intéressant, un jeu de l'Odyssée d'Homère. C'est bien, c'est bien. Voilà. C'est un peu dommage pour Angel Gravity. Quand même. C'est ça. Bon, je vais couper le. Allez, l'enregistrement local. Hop.